Coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jour de Pâques. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo, enfin cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, mais je souhaitais vous montrer ce junk journal que j'ai fait pour le concours de Martha Candela Scrap. Je vais lui envoyer. J'attendrai qu'elle l'ait reçu, évidemment, pour que vous puissiez voir cette vidéo. Mais je souhaitais le faire parce que je voulais garder une trace de ce junk que j'aime par-dessus tout. Enfin, que j'aime. je trouve que, voilà, j'avais envie de faire un junk sur ce thème depuis assez longtemps. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai fait un junk pour son concours. J'ai choisi le thème école, l'école d'antan. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à le faire parce que il a fallu que je fasse un travail de recherche un petit peu. Et voilà, il est fini, il est prêt à mettre dans la boîte et à l'envoyer. Donc, dessus, c'est la carte. Donc, je l'ai glissée comme ça et j'ai fait une carte sur les livres et il y a marqué « Chaque jour est une histoire ». Voilà, donc ça, ce sera la carte. Donc, je la mets de côté. Et voici le junk. Donc, je suis confuse parce que mon téléphone filme à l'envers. Donc, vous n'allez pas avoir les inscriptions. J'essaierai de vous les mettre quand même. Alors, j'ai pris un livre d'école, un ancien livre d'école, et je l'ai couvert avec comme à l'époque avec un papier transparent et il y a marqué aimons à lire cours moyen première année. Donc j'ai fait un petit charme ici tout simple hein. Je l'ai fermé avec une ceinture comme autrefois les cartables, il les fermait avec une ceinture, donc voilà. Là, j'ai mis deux petits brades et j'ai incorporé le couvercle, enfin la tranche de ce livre, mais comme c'était pas assez grand, j'ai évidemment mis une tranche plus grande et j'ai recouvert de papier peint. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble et le détailler. Voilà. Donc, il se présente comme ça. On ouvre. Là, nous avons une enveloppe avec à l'intérieur. Je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que je voudrais qu'elle découvre quand même. Enfin, elle l'aura découvert, vous me direz. Mais voilà, je lui ai mis une planche avec quelques petites babioles dessus, des brades, des. Et là. Nous commençons avec les fables de La Fontaine. Voilà. Là, j'ai mis une belly band avec les petits animaux des fables. Voilà. On tourne ici. Alors, je vais le poser. Je vais le mettre comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Ici, j'ai mis un paperclip. Donc, on tourne comme ça. Là, j'ai mis une feuille de livre avec un petit calendrier. Des petits personnages que j'ai trouvés. Alors, il y en a tout au long du junk. C'est des petits personnages que j'ai trouvés sur Modes et Travaux, mais des anciens Modes et Travaux. Et là, c'était la rentrée des classes, donc voilà. Ici, j'ai fait une enveloppe avec des illustrations dont elle se servira comme elle voudra. Ce sont des pages d'anciens livres. Là, j'ai fait une pochette avec les paroles de Sacré Charlemagne. Là aussi, à Sacré Charlemagne, une petite étiquette vintage. Et là, j'ai mis des éphéméras vintage. Donc, ça se referme comme ça. Et
le paperclip vient fermer. Ici, j'ai trouvé un ancien livre de ma mère où ils avaient des cours de crochet, de dentelle. Donc j'ai fait une petite dentelle. J'ai mis création de la semaine, crochet demi-spirale. Voilà. Et puis là, j'ai mis deux illustrations de dentelle comme si c'était le modèle. Ici, une page pour faire du journaling avec une ancienne photo d'école. Et j'ai mis les mots et les lettres. J'ai essayé de mettre plusieurs fois des titres à mes pages. Ici, j'ai fait une belly band avec du papier froissé et une petite un petit éphéméra. Et dedans, j'avais fait une pochette avec un papier géographie. À l'intérieur, j'ai glissé une petite enveloppe en vellum que j'ai fait, et à l'intérieur il y a des petits éphéméras. Et là, j'ai glissé une vieille carte postale avec un château. Voilà. Derrière, il y a une enveloppe faite par mes soins qu'elle utilisera comme elle voudra. Voilà. Tout ça, je l'ai mis sous la belly band et je la fixe parce que quand on tourne les pages, ça, comment, elle se fait la malle. Ici, j'ai fait une belly band encore, enfin une belly band, une bande sur le côté que j'ai collée avec des chiffres. Là, j'ai attaché le tout, j'ai attaché un petit carnet comme ça que j'ai fait avec un fil, comment on appelle ça, les fils cirés. J'ai fait un petit nœud, voilà, comme ça. J'ai mis une petite bonne femme assise sur des livres. Là, j'ai mis écriture et j'ai mis une citation. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre mon temps, perdre mon temps, vivre à contre-temps. Et là, j'ai mis une petite illustration avec un encrier et une plume. Ici, j'ai mis un vieux titre d'un cahier que j'ai trouvé, cours de solfège, mois de septembre. Voilà. Et j'ai mis un tag et un papier, mes notes, des choses comme ça. Ici, j'ai mis c'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Là, j'ai mis des illustrations de jeunes gens qui sont en train de jouer de la musique. Et là, j'ai mis une petite pochette, enfin j'ai fait une pochette ici avec des collages de papier vintage. Voilà. Une jeune fille qui joue de la mandoline. Et là, j'ai mis des choses à l'intérieur d'une pochette en vellum qui vient se mettre comme ça. Là, nous passons à la géographie. Donc, j'ai fait, avec une carte, j'ai fait une espèce de bande ici froissée. J'ai fait un tour, enfin, un crochet, du crochet, là, une carte. Et là, j'ai mis le stylo qui vient tenir ce petit truc. Et c'est l'illustration, enfin, c'est les explications de ça. Et je l'ai mis comme ça. Voilà. Le relief de la France. Donc, et ça vient se coincer sous le stylo que j'ai mis ici avec un globe. Ici, nous passons à l'histoire. Donc, j'ai mis des illustrations d'histoire. Et c'est une enveloppe qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, j'ai un
Alors, je vous retrouve, j'ai quelqu'un qui a frappé. Donc, j'ai mis des illustrations d'histoire et de géographie, puisque j'ai le retour de la carte. Ici, c'est une ancienne page de cahier. Derrière, j'ai mis une petite bonne femme, c'était un petit livre ancien. J'ai fait un tag ici avec ABJKX, voilà. Et puis un petit parchemin attaché. J'ai mis une petite enveloppe comme ça avec des choses à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai mis la petite bibliothèque du bonheur. Ici, ce cahier date de des années 30. 36 ou 38. Donc voilà, à cette époque ils écrivaient à la plume, hein, vous voyez. Je l'ai gardé intact comme ça. Ici j'ai mis l'ABC et j'ai mis des pochoirs des pochoirs en craft de toutes les lettres de l'alphabet. Là, c'est quelque chose que j'ai imprimé et c'est le retour, c'est sur le retour que j'ai mis ça. Voilà. Le retour de ma page, j'ai mis une petite fille qui joue à la corde à sauter. Ici, une page de craft, j'ai juste mis des stickers que j'avais eu chez Action. Là, c'est un ancien buvard qui a bien servi. Donc, j'ai souhaité le mettre. Là, le retour de ma carte. Ici, histoire, j'ai mis des illustrations comme ça. Alors, ces illustrations-là, c'était, je les ai photocopiées, hein, c'était dans un album. À l'époque, avec les gâteaux, les petits beurres, je crois, on avait des illustrations comme ça. Et il y avait un album style Panini de maintenant. J'ai photocopié, j'ai détouré, et il y avait l'explication des photos, donc je les ai collées ici. Voilà. C'était des photos de mode de l'époque. Et là, j'en ai mis une autre. Et là, j'ai mis les explications. Une page vieillie au café. Petit cadeau pour vos oreilles. Donc, j'ai mis une partition. Ici, c'est une page d'un très très ancien livre, donc j'ai mis un livre ouvert en sticker et je laisse pour qu'elle puisse écrire. Ici j'ai fait alors j'ai mis encore une illustration et c'est le calcul, donc j'ai mis vous vous souvenez, on avait les tables de multiplication, d'addition sur les cahiers autrefois. Donc, je l'ai mis comme une pochette et j'ai fait encore une petite enveloppe en vellum qui vient se glisser derrière. Ici, je l'ai attaché avec une pince à linge, c'est une petite enveloppe. À l'intérieur, il y a des petites choses. Une pince à linge, je vous ai dit, un trombone. Je ne sais plus ce que je dis. J'ai fait un petit œillet. Cette page, j'ai pris l'illustration d'une petite fille qui se balance, une balançoire attachée à un arbre. Ici, j'ai fait un marque-page comme ceci. Voilà. Donc, je l'ai placé à cheval. Et là, c'est une poésie sur jouer d'antan. Donc, une balançoire. Voilà. Ici, je vous avais montré, j'avais fait comment ça s'appelle? Des photos... j'ai perdu le nom. Enfin bon, vous voyez ce que c'est, avec une tirette. Donc je l'ai mise ici, je trouvais que ça faisait vintage. Là, c'est le retour de mes fables de La Fontaine, et c'est La Cigale et la Fourmi. Ici, j'ai fait un cahier
un cahier que j'ai relié, enfin je ne l'ai pas relié, elle pourra le détacher. Je l'ai attaché avec une, je l'ai attaché avec un élastique, donc elle peut le sortir pour s'en servir. Devant, il y a tout un tas de petites pochettes, donc j'ai mis un petit bloc-notes, j'ai mis un marque-page, il y a des pochettes partout, elle pourra se servir dans son sac, et ce ne sont que des pages de cahier, voilà, avec des pages de, où elle peut écrire, mais elle peut aussi mettre des photos, des illustrations, comme elle veut. Ce cahier est détachable. Voilà, là, on commence le deuxième signé où j'ai encore gardé mon thème de la fontaine, le renard et, le, et la cigogne. La même petite belly band différente, mais voilà, sur le côté. Ici, j'ai fait une enveloppe vintage cousue avec différents papiers de vieux livres et des étiquettes. Ici, encore une page écrite à la plume. Et là, j'ai mis une petite illustration. Vive le mercredi. De l'autre côté, la même page et une autre illustration. Ça, c'est un ancien livre que j'ai trouvé, Arithmétique. Donc, je l'ai laissé tel quel. Et derrière, c'était la préface. Je suis venue y mettre des chiffres découpés de différentes tailles. Ici, j'ai fait une petite enveloppe avec un papier vintage, des éphéméras collés, et à l'intérieur, j'ai mis une feuille de calcul. Là, une petite fille qui est à l'école, et un maître sur le côté. Voilà, ici, on peut écrire, j'ai laissé soft, et de l'autre côté, il y a une poésie, mon petit lapin. Là, j'ai fait un ABC, que j'ai attaché sur une feuille, que j'ai attaché avec un paperclip sur une feuille vieillie au café. Là, on retrouve une page de partition et j'ai collé jeune ménestrel parce que j'ai collé des enfants qui sont en cours de musique. Là, un endroit pour écrire. Nous avons ce vieux c'était la couverture, en fait on avait recouvert un livre avec ça, et ça a tellement vieilli que j'ai voulu le mettre. Il est splendide, et j'ai mis une illustration comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai fait une belly band, et j'ai mis un petit bloc-notes avec géographie, histoire. Donc j'ai mis des illustrations, et c'est un petit bloc-notes que j'ai confectionné, et je le mets ici. J'ai mis un bouton pour qu'il ne s'en aille pas, et c'est collé sur une feuille de vieux journal. Ici, une petite pochette en angle avec différentes choses. On dirait que c'est la récréation. Donc, bingo, des étiquettes, des petites choses à coller. Là, j'ai fait une pochette sur le retour du papier musique. Je lui ai glissé une ATC vintage band que j'avais fait il y a quelques temps, je vous les avais présentées d'ailleurs. Là, ce sont des cartes de jeu de cette famille avec des illustrations de plantes médicinales. Et derrière, il y a de vieilles illustrations. Voilà. Donc, elle pourra s'en servir. J'espère qu'elle aime le vintage parce que, ben, vous savez, hein, que c'est ma prédilection. Je fais du vintage. Là, j'ai glissé une page de feuilles que j'ai fait avec des plantes à ma Big Shot. Voilà, des empreintes de fleurs et de feuilles que j'ai fait, de l'éco-print, voilà.
Là, encore une petite histoire. La maison J'ai le coucou. Là, on arrive au milieu de ma page. J'ai encore mis une illustration. Ça, c'est un papier que j'avais travaillé au café et avec des pochoirs. Là, la chèvre de cousine Marie. Le retour de mon éco-print. Là, j'ai fait une petite pochette avec un petit tag en 3D. D'autres photos d'autres cartes comme je vous ai montré tout à l'heure et des images de Disney. Voilà. Là, j'ai mis une belly band ou un marque-page fait avec des négatifs de diapositives et une dame du 16e siècle. Voilà. Et des petites roses. Donc je suis venue l'attacher avec un paperclip diamant. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons le retour de ma vieille page là. Ici, rien de spécial parce qu'il faut bien qu'elle écrive. Et puis là, il y avait une belle réalisation avec un pochoir et la gel presse. Donc je trouve que c'est pas mal. Mon petit chat, une poésie. Ici, j'ai mis une illustration d'enfants qui sont en train de lire. Là, des enfants qui se tiennent par la main. J'ai fait un onglet ici avec des petites. Mais on peut y glisser quelque chose. Là, le retour de mon arithmétique. La page toujours écrite à l'ancienne. Mon retour de gel presse. Et la laitière et le pot au lait. Et là, j'ai fait la même photo, la même enveloppe que de l'autre côté. Voilà mon junk journal pour Martha Candela. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne la mettrai bien sûr que lorsqu'elle aura reçu et ouvert mon petit colis et je lui mettrai sa petite carte ici. Voilà. Et ça donne ceci. Mais écoutez, je vous souhaite de. Ben, je ne vais pas vous dire de joyeuses fêtes de Pâques parce que ce sera passé depuis un petit moment. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!